Data contre Nero. Nero des Youngties contre Data, ladies and gentlemen. Alors que vous voyez le bracket derrière moi, qui est-ce que vous connaissez? Quel est le score dont on doit parler? ADN face à Mopiz, hein. Il y avait ça en cours, là. Putain, la vache. ADN face à Mopiz. Putain, j'aurais voulu qu'on le caste, celui-là. Archery face à Bouzouloulouf. Je sais pas qui c'est. JFK qui est tout seul. Bento qui a gagné deux fois. Ah bah écoute, on vient d'avoir le résultat. Il semblerait que ce soit ADD qui ait gagné contre Mopiz. Non. Si. ADD qui a gagné. Non, ADN, franchement, non. Oui, je sais. Enfin, je vois. ADN qui a gagné, bien évidemment, les amis. C'était assez logique. Face à Mopiz qui se sera quand même bien battu. Et qui aura au moins eu le mérite de participer. Len. Ah non, Len, c'est pas fini. Len, c'est en cours contre Roddy. J'espère qu'on va le revoir. Data face à Nero. Data, du coup, qui avait gagné contre FireEye et contre Celtexe. Et de l'autre côté, eh bien, vous le voyez, Nero, lui, avait gagné contre Rexiga et Thiago. Eh ben, en avant, s'ils sont prêts. Ils sont en train d'arriver, petit à petit. Vraiment pas, je suis trop nul en 1v1. Je suis juste un gros rat. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, Liv, j'aurais pas dit GG. Et on va recréer. En avant. Custom game. Create online. Salted Worlds. West Europe. En avant. Ok. Le spawn kill autorisé. Spawn kill autorisé à 2 secondes. Et Mopiz, se plaindre sur le truc de... C'est pas moi la prod. Il y a un serveur. Tout est marqué dans les règles, les amis. On vous a fait des belles règles. Faut les lire. Du coup... Ladies and gentlemen, si je peux les inviter, c'est quoi les pseudos du coup? Bah, il y aura Nero du coup. Ouais, Nero et ouais. Data. Ils peuvent s'inviter entre eux? Oui, ils sont. Je leur redonne leur pseudo entre eux. Et merci encore du coup à Flow Up, ladies and gentlemen. Merci beaucoup à Flow Up d'avoir sponsorisé cet événement. Et de permettre du coup de fournir le cash price en entier, le PC à 1200 balles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez acheter un PC. Je sais pas s'il y a un point d'exclamation flow up, Jericho. Directement. Bah c'est bon. Si, c'est bon. Vous pouvez faire point d'exclamation flow up. Non, il est déjà fait, Jericho. C'est bon. Merci BBB Fish, nouvel étudiant du campus, t'es un monstre. Et on le rappelle, l'équipe Youngties, eh bien, recherche toujours un cinquième joueur. Si t'as des infos sur qui commence où, qui est en haut dans le bracket? Qui est en haut dans le bracket, c'est Data. Si je te raconte pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, c'est Data qui est au-dessus. Ok. Donc, normalement, on est bon. Faudra switcher, les poulets. Ok. Du coup, si je peux dire à Data de regarder le ticket où il est, s'il te plaît. La map, c'est quoi? Mmh.
Bon, en attendant, ils peuvent me le dire directement ici. House. Tout est good. Du coup, là... Quel rôle manquant chez Youngtis ? Déjà, une personne qui soit extrêmement disponible, extrêmement motivée, qui soit idéalement disponible du 26 au 31 pour partir en bootcamp. Puis après, du 31 au 2 pour partir à la Louvard. Puis après, la semaine d'après, à la Gamer Assembly. Tout est payé. On s'occupe de tout. Quel rôle remplaçant ? Les gens, ils peuvent s'adapter. On revient. Idéalement, un Art Breacher. Mais d'abord, on veut des gens motivés. Et qui comprennent le lien qu'il y a entre Youngtis et l'ASA, par exemple. Pour moi, WeData est en train de faire les réglages de la cam. Et de comprendre que j'ai pas envie de mettre 1 euro dans l'équipe. Ça, c'est important. Non, mais je le dis. Comme ça, je le dis en live. Comme ça, après, on pourra pas me dire. Bah, bon, il y a même pas des maillots. Non, nique ta mère. Tu vas le chercher à Decathlon de maillots. Tu fais pas chier, ok. Quand t'auras gagné un 16 Invitational, t'auras un maillot. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Six Invitational égale, t'as les maillots. C'est comme ça. Mais il faut leur donner la dalle. Il faut leur donner la dalle. C'est ce qui manque, là, dans l'e-sport français, les amis. Ils ont tout. Ah, bah, faut leur donner la dalle. La dalle, c'est tout. Un merchandising par compétition. Ça qu'il faut faire. Tu paies aussi les billets d'avion, Six ? Bah, bien sûr. L'année dernière, les joueurs sont partis de Montpellier, de Marseille, de Bordeaux pour venir soit à la Louvard, soit à Paris pour les Héros d'Oregon. Bien sûr qu'on paye les billets d'avion. Ah bah ouais, faut pas jouer, tu vois. Hein, ouais. Bien sûr, si l'avion c'est mieux, bah les gens ils prennent l'avion. Ah non. Parlez-en autour de vous. Hop, les joueurs sont prêts pour les caméras, on est tout bon. Ok, impeccable, nickel, t'es un monstre. Pour moi, oui, data, ok. R, et on va pouvoir y aller. Bon courage et bon match. Ah, il est toujours en partage d'écran apparemment. Darta, faudra lui dire. R. R. En avant. Ladies and gentlemen. Quatrième match de la journée. Nero des Youngtis face à Data. Les deux, du coup, eh bien, ont déjà gagné deux matchs. Donc, il y a du niveau. Et on va aller voir ça tout de suite. Si je suis au Québec, ça marche ou pas ? Tu peux venir du 26 au 31 ? Mec, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. J'en ai strictement rien à foutre, ok ? Je veux que l'équipe Youngtis, on fasse un vrai projet qui caille sur la durée. C'est terminé, là. Youngtis Royal, franchement, c'est de la merde et tout. On va aller chercher, là, ce que les gens attendent, là. On va aller les mettre en French League. Dans un an, ils sont en French League, minimum. Genre, vraiment, j'en ai marre, là. J'en ai marre de ne pas me faire respecter. Là. Oui, je peux. Vas-y, mon gars. Si t'es un putain de monstre sur Rainbow Six, mec, je te fly du Québec à Paris, moi. Mais t'as intérêt de... Derrière, t'as intérêt d'être la sœur de Sheiko, mec. Ok ? D'être un mix entre Sheiko et Liquefac. Ah. Si t'es ça, alors c'est bon. C'est quoi la French League ? Ça s'appelait une GoFor avant, je crois. Ah, je rigole. Non, je rigole, il y en a 2-3 là. Je les ai vus. Ils se sont dit, vas-y, fils de pute et tout. C'est trop dur la French League. En plus, on défonce. Ah, je rigole. Humour. Phew. Allez, en avant. Ça a terminé en clip sur Twitter, ça. Tous les 1v1 se finissent aujourd'hui ? Oui. Les soldes duels se terminent aujourd'hui. C'est une journée toujours.
Moi, je suis le mélange de Pengu et Joséphine, ange gardien, c'est bon? Je pense que Joséphine est meilleure sur Rainbow Six. Hein. Donc, pourquoi pas. Je suis ton homme 6-4. Non, mais sérieusement, les mecs. Hein. Arrêtez de dire ça, c'est pas moi qu'il faut aller voir. Faut aller voir Nero, là. Allez voir Nero. On veut des gens qui saignent des fesses, là. Qui ont envie de soulever un marteau, là. Je suis ton objet, 6-4. T'es pas mon objet, t'as zéro dispo, mec. ADN. On aurait pu faire des trucs incroyables ensemble. Je te jure, en plus. Genre, on aurait pu faire des trucs incroyables. Mais t'as ton vieux, vieux boulot tout pourri, là. Oh là 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 là. Merci, Vote Candy, pour les 3 mois de frais scolarité. Et voilà. Tous les joueurs du Yungtis se font sécher aujourd'hui. Et ça fait 1-0. C'est qui Data? Quelqu'un peut m'en dire plus? Je suis trop nul, la honte. Yo Mowgli, comment ça va poulet? Pourquoi t'as pas participé toi? Hein? Attends, deux secondes. Il y a Mowgli qui vient d'arriver, je suis obligé de mettre le Mowgli filter. Alright. Yo Mowgli. Yo bien frérot. Eh, Psartek le permis de conduire. Voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Aïe, 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 je suis trop fucking cringe. Allez! Et il est vu, il est attendu. Pourquoi t'as pas participé? Il y avait Likefak. On aurait pu voir Likefak face à Mowgli. Mais c'était pas une blague en plus, hein. Il a eu son permis de conduire, vous pouvez le féliciter. Je lui ai dit GG, il me répond pas de toute façon. Il m'a mute sur Twitter. Oh! Ah ouais, c'est le problème là. Le petit Arsène, le petit effet Larsène là. On l'a pas entendu. Parfait, impeccable. Ça joue mal. Non, non, le C4 autant de tout à l'heure, c'était bien là, mais... Voilà quoi. Naïf de la part de l'H. Et bien joué de la part de Nero, du coup, d'avoir compris qu'on était... qu'on allait s'insérer au top et de pas perdre le fil. De pas laisser le... Bah voilà quoi. L'attaquant rentré sur la map sans qu'on ait aucune information. On va le chercher directement. Bim, tu rentres pas chez WAM. Je peux pas refaire un match, j'ai la dalle MDR. T'as vu? Tu sens là cette frustration d'avoir perdu? Ouh, attention. Et que tu te dis, putain, fais chier, j'aurais dû gagner. Tu le sens, ça? Si t'as ce truc ça en tête, là, et que tu te dis, putain, la prochaine fois, je me fais plus jamais niquer. Félicitations, Mopiz. Tu es un compétiteur. J'ai eu chaud. T'as joué contre qui, les gars? Allez, un partout en tout cas entre Data et Nero. Comment ça, tryhard? Ah, est grave. Bien sûr, il y a 1200 balles à se faire. Il y a tout le cash price de la French League là. Non, sérieux. J'arrête. La balle perdue.
C'est combien le cash prize de la flûte? Il y a un cash prize au moins? Ou c'est juste un accès au-dessus? Allez. 5000. Ça va, c'est honnête. Allez, on rentre du côté de Nero et on va casser la porte directement. On va prendre ses responsabilités, là. On va péter les deux portes. Et on n'a pas les flashbangs. Donc du coup, on est en fait échec total. Plus que 35 secondes. On fait du bruit. On est attendu derrière. On va décaler. Non, Data, il s'en bat. Il va jouer au pistol. Il va jouer au pistol, mais quel manque de respect de la part de Data. Easy win. Sur ce round, en tout cas, pour Nero. 2 à 1. Un trophée en charme de Rainbow Six. Ah ouais? Ah, ça, c'est cool, ça, en revanche. Genre, je plaisante pas. Ok, ça se fait des petites lignes du côté de Nero. On prend un lésion aussi. Pas mal. Mais en face, on a IQ. T'as joué contre Data au premier round et tu t'es fait saucer? Nero qui arrive même pas à le mettre dans le... correctement dans l'escalier. Allez, on prend les infos sur la caméra. On va essayer de savoir où est-ce que ça spawn. Par élimination, on va se dire à mon avis que ça, c'était au niveau du nord. Puisque je crois qu'on a pété quand même une cam. Et on va venir droner, on va venir prendre la première info et on va venir prendre cette ligne. Elle est tellement horrible cette ligne. Et il n'y aura rien. Du coup, on se dit pourquoi pas directement jouer au niveau de l'objectif, en tout cas sur la fenêtre. On va mettre la charge et on va y aller. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? Ah ouais, malheureusement. Ouh la vache. On avait laissé le drone en bas, du coup on perd pas mal de temps. On va prendre la formation là, on va sûrement y aller. Eh, c'est pas génial. Derrière, on va se faire accueillir. What the fuck? Mais Nero! T'as entendu le bruit du rappel là? Et avec une fenêtre comme... C'est inratable ça, de partout. Merci Vodkin. C'était audacieux. Ah ouais, non, carrément. D'où ça passe, ça? D'où ça passe? Allez, derrière, Data, sur Mozi. Faut que je coach tes joueurs. Eh, quitte Wolf, Mowgli. Eh, quitte Wolf. Reviens. Tu sais, tu te refais une story. Tu te refais la story, le storytelling. Tu rejoins Youngtis, tu gagnes une louva. Tu as 5000 balles. Tout frais payé et tout. Ça met bien Wolf ou quoi? Est-ce que c'est plus de 2000 par mois? Est-ce que c'est plus de 2000 par mois? Même DR, oh que oui. Vas-y, niquez-vous. Franchement, tu te rends compte, moi j'ai jamais touché 1 euro quoi. Jamais touché 1 euro. Un bouffon. Allez, Data. Le C4. Le C4. Oh, il finit sur la fenêtre. Il va faire aucun dégât à Nero. Mais d'ailleurs, on va se relocaliser. On va venir au contact. On va profiter du coup du bruit du C4 pour venir juste au contact de la window. On fait pas de bruit de part et d'autre. On écoute. On a entendu. On a entendu un bruit. Et d'ailleurs, on fait complètement challenge. Easy pour Data. Pouf, le pré-shot. Amazing. Et Data qui prend le lead 3-2 contre le joueur Youngtis.
C'est un club de foot, frère. Ouais, mais j'ai vu, mais bon, c'est pas un club de foot de ouf. 6-4 avec ses 10K par mois. Moi, avec mes 10K par mois. Mec, et regarde. C'est pas difficile de faire le calcul, hein. C'est pas difficile, hein. Il est marqué en dessous de moi, mon salaire. La structure Wolf, ce sont une des plus riches de base. C'est une équipe de foot de première ligue. Putain, les salauds. Je parle bien de Wolf. Ah non, mais je parle bien, je sais pas qui c'est. Ils sont, c'est de quel club? C'est quoi? Les dons de Nano 6-4. Ça paye Youngtis, les frérots? Wolfer Anton. Mais c'est où? C'est dans quel pays, mon gars? C'est dans quel pays, Wolfer Anton? Ah. Ah, c'est pour ça qu'on aime les salty duels. Non, mais j'avais compris. Wolfer Anton, Premier League. Ok. Et j'avais jamais entendu parler de ce club. J'avais jamais entendu. Mais oui, j'imagine. Bon, c'est cool en tout cas. Si vous êtes à l'abri. Quel bâtard. Ça vaut 2 points, ça. Point de style. C'est là que t'aimerais des petites execs à la code. Des petits finishes là. Au pire, on vend du hashish. Oh, j'y ai déjà pensé. J'y pense, hein. Le grand banditisme, je pense. C'est un métier d'avenir en ce moment. Oh Nero, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, Nero? Qu'est-ce qu'il nous fait, Emmanuel de Carglass là? Merci évidemment, Woshu, pour les 3 mois, t'es un monstre. Xoshu. Ou Shoshu. Si c'est chinois. J'aurais dû le faire, ça. J'aurais traumatisé tout le monde. De quoi? Mec, franchement, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on fait, Mowgli? On joint l'utile à l'agréable, ok? Tu continues joueur e-sport. Et moi, sur la création de contenu. Et à tous les events, on deal. J'habite à Nantes, moi, tu vois? Donc bon... Donc déjà, bon, j'ai envie de te dire, c'est la plateforme, quoi. C'est bon, quoi. J'aurais dû le faire, j'aurais traumatisé tout le monde. Ah, le salty duel! Bah, il passe du coq à l'âne, je comprends pas. Data. Ah oui, il est là! Il est là, frérot! Oh, bah je l'envoie où? Eh, tu peux l'adapter à la situation. Non, le mec, il est en mode... Non, je le tue au C4. C'est terrible! Et ça fait 4 à 3! Let's go, Youngtis! Pour sauver l'honneur. Ouais, donc t'aurais dû le faire, Mowgli. Ça m'aurait fait extrêmement plaisir. Les prochains. Eh, c'est chiant, là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le son, là? C'est trop relou. Les prochains.
Faut que je trouve un sponsor. Eh, tu veux pas demander à Wolf? Je vais commenter les SD, tu m'autorises? PTDR, oui, TKT. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. T'es un frérot. Trop un frérot, mec. Nero, il a perdu son truc. Il a perdu un truc. Il dit quoi? J'entends un bien drone. J'ai juré un truc. Il est où? Oh putain, ça sort la ying. Et ça y va. Ça va y aller. Ou pas. Smoke. Oh, il a pas pris les... Il a pas pris les charges lourdes. Et derrière, on se fait des one-way. Ouh, elle fait mal, celle-là. Quelle est intelligente. Quelle est intelligente. Attention derrière, faut pas être flashé, faut pas être flashé. On est totalement flashé, on sait que c'est contesté. Derrière Nero, il va pas bouger. Le petit pré-shot, ça connecte sur rien. Nero, il est superbe, Nero. Oh, no, what the fuck. Chelou le duel. Avec environ 150 millions de budget, ils peuvent te trouver un billet ou deux. Ouais, non, mais moi, je leur demande pas grand-chose. Moi, je leur demande pas grand-chose. Franchement, tu me donnes déjà 12 000 balles par an. Je te refais les sports sur PlayStation. Ok ? C'est l'endroit où faut aller. Je te remets de l'e-sport sur PlayStation. Tout le monde commence à en reparler. Les gens commencent à reprendre des trucs et tout. Je dis putain, enfin, on pense à nous quand même. Parce que c'est un peu nous. Bon, bah. C'est un peu nous qui carissons Rainbow Six depuis 8 ans quand même. Donc ce serait pas mal de penser à nous. Ça, c'est déjà pas mal. Sur console tout court. C'est cross. Ah oui, sur console. Ah oui, oui, oui. Ah putain, la vache, sur console. Ouais, mais bon, en France, c'est 80-20. Donc bon. Viens, on fait un show match, moi contre toi, avant la finale. Mais ça va pas la tête. Je joue pas, moi. Je joue pas. J'ai dormi une heure, mon gars. J'ai dormi une heure, frérot. Mowgli. D'accord? Je dors plus, moi. J'ai même pas mangé. Voilà ce que j'ai mangé. Ok, couché à 3h du matin pour m'occuper de Youngtis. Levé à 9h pour essayer de faire les salty duels. Vous vous rendez pas compte, les mecs? Mais participe, putain, on aurait pu avoir un Mowgli face à Likefak, quoi. Pop, pop, pop. Faut pas pousser dans cette porte, là. On voit l'ombre, les mecs. Oh, trop facile pour Data. Et ça fait 3... Ça fait 4, 5, pardon. Ça fait 5, 4 toujours. Merci Skimza pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus de la Salty Academy. Un monstre. Merci Pablo, nouvel étudiant du campus. Au pire, inscris-le exceptionnellement maintenant. Ouais, vas-y, franchement. Ouais, ouais, ouais. Oui, l'inscription Balkany, ça s'appelle. On attend pour le cast. Ok, ADN. Les quarts de finale sont aujourd'hui. Mais tout est aujourd'hui, mon gars. Moi, je fais tout aujourd'hui. Je vais pas me coucher tant que c'est pas fini. C'est simple, les amis. Mowgli est easy. Ah, putain, la vache. Y en a, vous avez quand même des grandes bouches. Hein. Inscription 49-3. Nero.
pour l'honneur de Yungtis. Le C4 ! Ça connecte pas, mais ça fait quand même pas mal de dégâts sur Data. Et on va pouvoir pusher sur site. Il est sur site. Et Nero ne l'est pas. Ça donne énormément d'informations. Va falloir faire échec derrière. Ça va être compliqué. Il est juste en contact à droite. On joue avec lui. On joue avec lui. Ouh, le flic qui passe pas. Propre ça. Extrêmement propre de la part des deux joueurs. Là, c'était un vrai duel. Enfin, un vrai duel Rainbow Six 2023, quoi. Ok, tu te bats avec une porte en fait, hein, tout simplement. 5-5. Nero, à quel âge? Bah plus de 18 déjà, 19 je crois. Ils sont tous de 2003 les Yungtis. Tous de 2003. 20. 20, ouais. Je vais jouer contre le vainqueur, me décevez pas les BG. Pourquoi il a fait une croix gammée? Banni. Ça va pas être... Attends, t'es déjà ban de ma chaîne, DSL, j'ai rien dit. Reste à Alcatraz. Vas-y, Mougli, arrête de foutre le dawa, mec. Il est en train de régler ses comptes. Il arrive, il fout la merde. Il fout le zbeul, quoi. Toi, de toute façon, je te prends un V1. Toi, je te baise et toi, j'encule ta mère. Et puis toi, t'es ban de mon chat, de toute façon. Allez, salut les gars, bonne journée. Bon courage, 6-4. Et après, il nous laisse. Et après, il nous laisse. Et merci. Franchement, ça fait plaisir. Oh là là. Et même moi, je le mets, celui-là. On voyait bien l'épaule, là. Allez, Nero! Non, please! J'ai rien contre Data, il a l'air très sympa comme garçon. Il joue chez qui, lui? Payer un sub, je suis pauvre. Mais quel... Eh, vous pouvez bannir les gens, hein. Voilà, Yunim. Vous pouvez bannir vous-même, ici. C'est un peu la démocratie. Pas du tout. Allez! Allez, Nero! Qui a une preuve que Wolves me paye ici? Personne. Tu l'as dit! Tu l'as dit, ça m'est bien! Ça commence quand les salty duels? Oh putain! Elikefak, d'où t'es pas vérifié? Tu streams jamais? Si je stream, mais bon. Et sur ta caméra tout à l'heure, tu me faisais trop penser à Shox. Ce qui est quand même un compliment. J'aime beaucoup Shox. Qu'est-ce qu'il fait? Nero, c'est une sécurisation de zone. Il y a un objectif. Qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre il se pique contre le mur. Qu'est-ce que c'est que ça?
Shox, quel goat. Ouais, franchement, ouais. Franchement. Ouais. Ouais, je pense que c'est le joueur e-sport français. C'est le vrai French Monster. Sorry. Il y a Kenny aussi. Kenny S? Scream. Je sais pas Scream. Je sais pas. Sur Valorant, j'ai pas suivi. Mais Scream, ça a toujours été un peu le showman, quoi. Ça a toujours été un peu le showman, quoi. Non, mais Shroud, on s'en fiche. On parle des Français, là. On parle des Français, là. Enfin, francophones, quoi. Allez, ça va peut-être être terminé. En tout cas, 6-6 overtime. Non. Oh, on s'approche tranquillement du côté de Data. Et on va essayer de jouer au niveau de cette gym. On va venir mettre la petite charge lourde. Attention à ça quand même. Attention de pas être trop naïf. Du côté de Data. Et on va balancer les Ying. On va balancer les Candela. Et attention. Elles vont proc. Est-ce qu'elles vont proc dans la tête de Nero? Non, pas du tout. On est rentré sur site. Le timing, ça se joue à rien. Et il voit sa tête. Ma perspective. Ah là là, l'autre, il a tout repeint. Ah, il s'est pas arrêté de cliquer et tout. Il a terminé le recoil. Il était sur le parterre. Ils ont pas compris ta blague, Six. Ouais, mais je suis content. Quand il y a une personne qui comprend mon humour, je me dis tout n'est pas perdu. Je me dis que tout n'est pas foutu. Allez, en avant, peut-être sur la balle de match. Balle de match entre eux. Enfin, c'est pas peut-être, ça c'est sûr. Il y a deux balles de match à sauver pour Nero. 7 à 6, c'est peut-être la fin. Ça va être extrêmement compliqué. Surtout, bah, surtout qu'on a pris Zofia. Va falloir y aller au forceps, là. Pour Nero, on s'attend à un C4, bien évidemment. D'ailleurs, on va envoyer les concussions. On va essayer de le déloger, le C4. Il va connecter sur rien du tout. Et on prend tout. On a tout le loisir, là. Attention à ça, attention à ça. Attention, va falloir y aller, va falloir y aller. On n'arrive pas à connecter malheureusement avec la tête. On swing à droite, à gauche, on sait pas où il est. On va venir ouvrir la ligne. Et derrière, on se fait totalement avoir par la position de Data. Qui s'est totalement repositionné à droite. Trop facile pour Data. Le joueur Yungtis tombe. C'est fini pour Nero. 8 à 6. Data avance. Et Nero s'en va. Organise-moi un 1v1 contre Mowgli en fin de stream. Je vais le déchirer, ce Sheiko de AliExpress. Vivi Brac, t'es dans quelle équipe? T'es qui, frérot? T'es qui? T'es qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait? Heureux. Vous voulez pas le ban? Je laisse les modérations se démerder. Du coup, le prochain match est prêt. Ok. Est-ce que Sheiko de AliExpress
C'est un motif de ban pour toi. Sheiko de AliExpress. Tu vois Sheiko ? Oui. Tu vois AliExpress ? Sheiko AliExpress, oui, ouais, je vois du coup. Ah voilà, Sheiko. En parlant de qui ? En parlant de Mowgli. Joueur Wolf. Après Mowgli, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un niveau. Pas un niveau insane. Donc ouais, je vois la comparaison, oui. Ah ouais, t'as décidé de me mettre bien dans la merde, toi. T'as décidé de pas du tout rentrer dans le jeu, t'es bourré de la veille, et t'as décidé de me foutre dans la merde. Ah, il a décidé, genre, de me foutre dans la merde, le mec. Il te connaît pas, Mowgli, hein. Il sait même pas, il regarde même pas de Rainbow Six. Normalement, il aurait dû tomber dans le jeu en disant, franchement, oui, c'est un motif de ban. Et bannir l'autre fils de tupe. Mais non, non, il va me foutre dans la merde. J'adore ça. Ok, merci, Moran. I'm Oranx, pardon. Nouvel étudiant du campus, bienvenue. Dis-moi tout. Attends, je vais regarder le truc. Ouais, on va regarder le bracket. Le prochain match, ce sera ADN Archery. ADN Oh, Archery. Tu lui dis de mettre le Moss ? Ils ont déjà tout. Ok. Et tu demandes à Archery de mettre deux Moss, deux couches de Moss. On peut spec son tout. Oui, tout demande spec. De spec. Partage d'écran. Ouais, ouais, ouais. Demande de spec. Demande sa carte d'identité aussi. Au cas où. Ok, on va faire tout ça.